Bonjour Stéphane Peu. Bonjour. Alors, vous êtes député communiste de Seine-Saint-Denis, vous êtes en direct pour l'Humanité qui informe tous les jours sur l'actualité du pays, du monde et sur l'épidémie du coronavirus. Alors, le week-end dernier, le Parlement a définitivement adopté la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Vous avez largement participé au débat, les députés communistes ont voté contre. Pourquoi? Alors, il y avait deux lois. Nous avons voté pour la loi de finances rectificative qui donne des moyens supplémentaires pour faire face à la période. Par contre, nous avons voté contre la loi d'urgence. Bien évidemment, il n'était pas question pour nous de contester le caractère d'urgence et les mesures exceptionnelles qui doivent être prises dans la période. Mais nous considérons que ces dispositions d'urgence ne sont pas en phase avec l'état d'esprit du pays, qui est un état d'esprit, qu'il s'agisse des forces politiques, syndicales ou de l'ensemble de la population française. Tout le monde est mobilisé, tout le monde est prêt à faire les efforts nécessaires. Et donc, pour que dans un pays comme le nôtre, avec l'histoire qui est la sienne, avec les traditions démocratiques qui sont les nôtres, avec ce pays qui a inventé la République, le peuple souverain, il nous semble que les mesures d'urgence doivent, pour qu'elles rencontrent l'adhésion de la population dans son entier, rester avec un minimum de contrôle démocratique, ce qui d'ailleurs avait été fait en 1955, quand il y a eu la première loi sur l'état d'urgence qui a été votée au moment de la guerre d'Algérie. Des lois d'urgence pour faire face à cette guerre, à l'époque considérée comme telle par nos gouvernants, elle était prise pour 12 jours avec une reconduction tous les 12 jours par l'Assemblée nationale. Là, c'est un état d'urgence sanitaire qui est pris pour 2 mois et qui, au terme des 2 mois, devra être conduit de mois en mois par un vote du Parlement, ce qui nous paraît très, très largement insuffisant. Par ailleurs, nous avons formulé la demande que, pendant l'état d'urgence, les forces politiques représentées au Parlement puissent être régulièrement réunies autour du Premier ministre, comme ça s'est fait d'ailleurs il y a 4 reprises depuis maintenant 3 semaines. Ça nous a été refusé. Il s'agissait de formaliser un peu ce qui se fait de manière informelle depuis 3 semaines. Ça nous a été refusé. Et puis, par ailleurs, nous étions attachés aussi à ce que la démocratie sociale, c'est-à-dire les relations entre les partenaires sociaux, puisse continuer de se dérouler avec les moyens maintenant qui sont à notre disposition pour communiquer à distance, comme nous le faisons là à l'instant. Voilà, donc je pense qu'il y avait la possibilité de concilier l'état d'urgence sanitaire dans lequel est notre pays et que nous ne contestons pas avec un minimum de contrôle démocratique et social sur l'activité du pays, non pas par méfiance, mais parce que nous considérons que faire vivre la démocratie politique et sociale pendant cette période d'urgence sanitaire, c'est la condition sine qua non de l'adhésion du peuple tout entier aux mesures qui sont prises et aux comportements qui doivent être adoptés. Alors, vous pointez aussi des autorisations pour les entreprises à déroger au code du travail en pleine épidémie. Cela concerne la prise et l'acquisition de congés, de RTT, mais aussi la tenue des instances représentatives du personnel, la durée légale du travail ou encore le travail de nuit, le travail dominical pour ceux qui continuent de travailler. Ces dérogations sont-elles justifiées face à l'urgence? Non, parce que si vous voulez, en fait, le problème, c'est un problème d'état d'esprit. D'abord, sur les questions économiques et sociales, on ne fait absolument pas confiance à ce gouvernement. Il a eu de cesse, depuis qu'il est aux affaires, de casser le code du travail, de réduire les organisations syndicales à la portion congrue, à ne pas écouter les mobilisations sociales, à commencer d'ailleurs par les mobilisations sociales de l'hôpital public, qui durent, je rappelle quand même, depuis des mois et des mois, et qui n'ont pas eu d'interlocuteur. Il a fallu des mois de grève aux urgences pour que la ministre de la Santé daigne recevoir
les urgentistes et les infirmières en colère. Pareil dans les EHPAD, enfin bon, vous connaissez, et je pense que les lecteurs de l'Humanité connaissent bien la situation de l'hôpital public. Donc un gouvernement qui s'est distingué dans sa façon de gérer les affaires par le mépris des mobilisations sociales, d'une part, et puis par sa volonté d'aligner à tout prix notre pays au mépris de son histoire et des conquis sociaux sur ce qui se fait de plus libéral et de plus individualiste, forcément, on regarde de près les mesures, même en période d'état d'urgence, qui touchent à l'économique et au social. Or, il se trouve que la veille de notre débat à l'Assemblée nationale sur ces mesures, l'ensemble des organisations syndicales de salariés et patronales se sont réunies, ont publié un communiqué commun qui témoigne bien, à nos yeux, de l'état d'esprit qui prédomine dans le pays. C'est-à-dire que tout le monde, comme dans toutes les périodes de crise, tout au long de notre histoire, tout le monde veut se retrousser les manches et faire face. Tout le monde. Et donc, il faut que dans le pays, comme dans les collectifs de travail, ce soit le dialogue qui prime. Que ce soit la volonté commune des uns et des autres, quel que soit son rang dans l'entreprise, de faire face à l'urgence. Et personne ne fera défaut. Personne. Regardez les éboueurs qui, tous les matins, les camionneurs, les caissières, en plus de, bien sûr, de tous les policiers, de tout le monde a envie de faire face et d'être à son poste pour faire front face à cette épidémie. Donc il faut prôner des solutions de l'unité, du rassemblement, de la mobilisation de tous, et pas à tout prix donner des pouvoirs discrétionnaires, attentatoires aux libertés et aux droits sociaux. D'abord parce que ce n'est pas utile, ce n'est pas l'état d'esprit. Mais si vous voulez, nous avons un gouvernement qui a pensé, parce que c'est la start-up nation, ils ont pensé que subitement, en arrêtant, en mettant tout le monde au confinement, tout le monde allait télétravailler parce qu'ils ne savent pas que ce pays fonctionne d'abord et avant tout avec les petites mains, celles qui ne télétravaillent pas, celles qui mettent les mains dans le cambouis, si je puis dire, si je peux utiliser cette expression. D'abord, ils ont pris des mesures par méconnaissance totale de la réalité ou mépris ou distanciation avec la réalité de ce qu'est le monde du travail dans notre pays. Et aujourd'hui, ils veulent à tout prix avoir des mesures autoritaires. Mais ce n'est pas l'état d'esprit du pays et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne fait pas face à une crise comme celle que l'on connaît avec des mesures autoritaires. Elles sont inutiles, et elles sont contre-productives parce que les gens ont envie de se mobiliser. Ils ont surtout envie d'avoir les moyens de pouvoir être à leur poste de travail en sécurité, c'est ce qu'on dit communément les employeurs et les salariés dans une déclaration commune, et c'est dans cet état d'esprit que nous étions. Alors, dans ces conditions, l'appel à l'Union nationale décrété par Emmanuel Macron est-il toujours valable à vos yeux ? Oui, bien sûr qu'il faut l'unité nationale, et nous, députés communistes et militants communistes, d'ailleurs, nous l'avons dit et redit, nous serons au rendez-vous, comme nous l'avons toujours été dans l'histoire de ce pays, quand il fallait faire primer l'intérêt national sur toute autre considération. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut encourager le formidable élan citoyen qui se manifeste tous les soirs à 20h, mais à tous les jours de la journée, dans toutes les villes de France et dans tous les villages de France. Il faut encourager cet immense élan citoyen pour essayer de lui donner de la force, de lui donner les moyens de s'exprimer et ne pas le mépriser ou fabriquer au bénéfice de la crise des effets d'aubaine pour ceux qui sont qui voudraient profiter de cette situation pour licencier abusivement, pour réduire ou reprendre les congés ou les RTT abusivement, ou pour agir de manière autoritaire. Je le répète, ce n'est pas l'état d'esprit ni des salariés, ni de la majorité des employeurs. Et donc, voilà, faut faire attention. Puis moi, dans ma circonscription, j'ai beaucoup de gens au chômage partiel qui sont les petites mains, notamment des commerces, des bars, des restaurants, des commerces dits non essentiels. Et franchement, ils m'ont tous dit, si en plus d'être au chômage partiel, à 70% du salaire brut, parce que
On a demandé dans les séances à l'Assemblée que ce soit 100% du salaire qui soit pris en charge. Mais si en plus d'être au chômage partiel avec 100% du salaire brut, des pertes de pouvoir d'achat considérables pour des gens qui sont souvent avec des salaires extrêmement modestes, si en plus de ça, on leur dit les congés payés, c'est terminé, ou ils vous seront imposés pendant cette période de confinement pour que ça coûte moins cher au budget, soit des allocations chômage, soit de la sécurité sociale, alors que le président de la République a cru bon de dire que le pays fera face à cette crise quoi qu'il en coûte, c'est totalement incompréhensible et ça crée de la division là où il faut à tout prix rechercher de l'unité. Donc l'unité nationale, nous y sommes favorables, mais ça ne se fait pas n'importe comment, ça se fait en ayant de la considération pour tous nos concitoyens, quelle que soit leur situation sociale. Alors le Parlement a aussi adopté d'autres mesures. Certaines vont-elles dans le bon sens? Je pense particulièrement au soutien à la trésorerie des entreprises, au report des loyers, factures d'eau, de gaz, d'électricité pour les professionnels. Non, mais ça c'est très bien. D'ailleurs, si on a voté pour la loi de finances rectificative, c'est parce qu'elle comporte beaucoup de dispositions de ce type. C'est très bien, bien sûr, que l'entreprise qui ne peut pas fonctionner, elle doit pouvoir avoir des reports de charges. Nous avons même demandé à ce qu'il puisse être étudié des annulations de charges. Parce que vous comprenez bien que quand il n'y a pas de chiffre d'affaires, et la reprise, on ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu, la reprise de l'activité, on ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu, dans quelles conditions, avec quel état d'esprit du pays, mais je ne suis pas certain, mais personne ne peut être certain, qu'elle se fasse par un rétablissement à la levée de l'état d'urgence dans un dynamisme économique exactement identique à ce qui préexistait à la crise. Donc il faut faire des reports, faire des facilités d'emprunt, c'est ce qui est fait avec les emprunts pour les trésoreries des entreprises garanties à 90% par l'État à la Banque publique d'investissement. Mais je pense qu'il faudra aller plus loin. D'ailleurs, le gouvernement s'est pas interdit de revenir vers le Parlement pour aller tout ou partie vers des annulations de cotisations sociales ou de loyers. Enfin, j'ajoute quand même que dans cet effort qui est demandé à la nation tout entière, il y a deux grands secteurs qui sont, à notre avis, beaucoup trop silencieux. C'est les banques et ce sont les assurances. Parce que vous avez remarqué, il y a une immense pétition qui a été initiée par des restaurateurs pour que les assurances puissent considérer cette pandémie comme une catastrophe naturelle et qu'à ce titre, les assurances prennent en charge. Nous avons suggéré, pour notre part, à travers des amendements qui ont été malheureusement refusés, que les fonds de capitalisation des assurances, qui sont considérables, puissent être mis à contribution pour contribuer à la prise en charge au titre des catastrophes naturelles de certaines pertes d'exploitation. Pareil pour les banques. Nous avons demandé que les banques, qui vont être garanties à 90% par l'État via la Banque publique d'investissement, ne profitent pas de cette crise pour faire des prêts avec des taux d'intérêt sans commune mesure avec le niveau de l'inflation. Et on sait que si on ne l'encadre pas, certaines peuvent être tentées de le faire. Bon, aujourd'hui, dans un quotidien du matin, il y a le président des organisations bancaires qui s'exprime enfin, et qui brise un peu le silence assourdissant des milieux bancaires. Mais enfin, bon. Pour autant, son interview n'est pas totalement rassurante. Donc je pense que la loi de finances rectificative et la loi d'urgence auraient dû dire des choses sur le sujet des banques et des assurances de façon à ce que tout le monde soit mis à contribution. On ne peut pas demander aux ouvriers du bâtiment d'aller bosser à tout prix, même quand les chantiers ne sont pas indispensables à la lutte contre le Covid-19, et puis de l'autre côté, ne donner aucune contrainte ou aucune ligne directrice au secteur bancaire, au secteur des assurances qui sont pourtant essentielles dans la période. Et concernant les mesures annoncées pour l'hôpital public, vous paraissent-elles suffisantes? Pas du tout. C'est d'ailleurs, j'ai été amené à faire l'intervention liminaire de notre groupe devant le Premier ministre
cette samedi matin, excusez-moi parce que ça a été trois jours un peu intenses, jour et nuit, mais samedi matin, et nous lui avons dit, nous l'état d'urgence, ok, avec les limites du contrôle démocratique que j'évoquais en début d'interview. Mais comment peut-on considérer qu'on fasse une loi de finances rectificative, qu'on décrète l'état d'urgence sanitaire et qu'on dise rien sur un hôpital public qui est exsangue et qu'on ne prenne pas des mesures d'urgence financière pour l'hôpital public? Bien sûr, il va y avoir des mesures d'urgence pour faire venir des masques, des respirateurs. Bon, c'est la moindre des choses. Et encore, il y a beaucoup de retard à l'allumage, mais sur les ouvertures de lits, sur les recrutements de personnel, on a des personnels hospitaliers qui sont en burn-out, mais ils sont en burn-out avec l'épidémie, mais ils étaient déjà en burn-out avant l'épidémie. C'était déjà extrêmement tendu. Pareil dans les EHPAD. Donc nous demandons, et nous allons continuer de le faire à l'Assemblée cette semaine, nous demandons qu'à côté de l'état d'urgence sanitaire, à côté de la loi de finances rectificative, notamment pour les milieux économiques, il y ait une loi de finances de la sécurité sociale rectificative pour débloquer des moyens en urgence à l'hôpital public pour faire face de manière pérenne à la crise sanitaire dans notre pays. Alors, concernant le confinement, plus précisément, les amendes en cas de non-respect passent de 135 euros à 1500 euros en cas de récidive et jusqu'à 3750 euros et 6 mois de prison ensuite. Cela vous semble-t-il proportionné? Bon, c'est déjà un peu plus proportionné que la première proposition qui a été faite par la ministre de la Justice. Elle était tellement disproportionnée d'ailleurs qu'elle n'a même pas réussi à la défendre convenablement dans l'hémicycle, donc il a fallu qu'on fasse une interruption de séance pour la corriger. Bon. Il faut que chacun s'autodiscipline. Et ceux qui ne respectent pas les règles, c'est comme avec toutes les règles. Quand on ne respecte pas les règles, on est sanctionné. Bon, il faut des sanctions proportionnelles. La proposition qui est faite l'est un peu plus que la première. Bon, néanmoins, c'est ce que j'ai dit au moment du débat sur ce sujet. Nous, on acceptera les sanctions, la plus grande proportionnalité de ce qui finalement a été soumis au vote des députés, mais il n'y a pas de sanctions sans les moyens de contrôler et de vérifier la sanction. Or, ces moyens, ce sont les policiers. Or, aujourd'hui, les policiers, ils disent, nous n'avons pas de masque. Nous ne pouvons pas travailler dans de bonnes conditions. Donc, donnons à nos policiers, à nos gendarmes, les moyens d'effectuer leur mission, qui est essentielle, comme est essentiel tous les services d'urgence, notamment des services publics, qui vont des hospitaliers aux policiers, aux gendarmes, en passant par les éboueurs, les services de propreté, ceux qui travaillent dans les crèches, les enseignants qui font l'école à distance, hein, je peux les énumérer. D'ailleurs, on mesure souvent dans cette période-là à quel point nos services publics sont essentiels à la vie du pays. On le vérifie avec les électriciens à chaque fois qu'il y a des tempêtes ou des épisodes climatiques extraordinaires. Mais là, nous le vérifions avec toute une série de services publics. Voilà, donc il faut, oui, il faut des sanctions, il faut faire respecter la règle. Mais ce que j'ai dit au ministre de l'Intérieur samedi soir, moi je constate dans ma ville de Saint-Denis qu'il faut à la fois des policiers pour faire respecter les sanctions, puis aussi par exemple pour filtrer les entrées au marché. Bon, on garde les marchés alimentaires, mais on ne peut pas laisser les gens rentrer dans le marché alimentaire comme d'habitude. Autrement, on est dans la promiscuité la plus totale. Donc il faut faire un filtrage. On fait rentrer les gens au fur et à mesure pour qu'il n'y ait pas une concentration de personnes qui ne soient pas compatibles avec les mesures de précaution. Et pour cela, il faut des policiers municipaux, nationaux, etc. Bon. Mais ce que j'observe dans beaucoup de cités de Saint-Denis, c'est que si dans les premiers jours, il y avait beaucoup d'indiscipline, sachant que le confinement dans un petit appartement HLM
quand on est à 4 ou 5 est plus difficile que quand on est 2 dans une maison de campagne de 8 pièces. Hein. Donc, ceux qui donnent des leçons depuis leur maison de campagne devraient être un peu plus respectueux. Mais pour autant, moi, ce que je constate, c'est que l'immense majorité de nos concitoyens est conscient du risque et que finalement, c'est le contrôle social qui s'exerce et qui est le plus efficace. Et je vois, dans beaucoup de quartiers populaires de Saint-Denis, c'est les gens qui disent à ceux qui ne respectent pas les règles, écoutez, respectez-la, parce que si vous vous en foutez, vous, d'attraper la maladie, nous, on s'en fout pas. Et donc, voilà. Donc, on vous demande d'arrêter le match de basket, d'éteindre le scooter et de rentrer à la maison. Et ça marche largement aussi bien que quand c'est les policiers qui le font. Alors, voyez-vous une contradiction entre les mesures de confinement qui se durcissent et la poursuite de l'activité des entreprises, alors que 45% des travailleurs restent en activité, alors que leur activité n'est pas forcément indispensable dans leur entreprise? Oui, non, mais ça c'est un des gros points de désaccord que nous avons exprimé. Attention, on ne veut pas donner de leçons parce qu'on sait que la situation est compliquée, elle est inédite. Bon, il faut être modeste dans ses opinions. Mais on peut quand même s'instruire de ce qui se passe à l'étranger, notamment dans les pays qui ont eu l'épidémie avant nous. Regardez les Italiens. Les Italiens, ils viennent de décider de stopper toutes les activités économiques non essentielles. Parce que c'est à ce prix qu'on freine vraiment la propagation du virus et qu'on retarde ou qu'on lisse dans le temps le pic épidémiologique que tout le monde redoute, puisque ce qu'on redoute par-dessus tout, c'est un pic épidémiologique qui oblige à trier à l'hôpital public. Donc toutes les mesures qui visent à le retarder, à le lisser, à l'aplanir le plus possible pour que l'on ne soit jamais en situation d'être obligé de faire ce qui est le plus horrible dans le domaine de la santé, c'est-à-dire trier ceux qu'on sauve et ceux qu'on ne sauve pas. Pour cela, il faut des mesures de confinement beaucoup plus drastiques. Et donc, il y a des injonctions contradictoires du gouvernement qui perdurent, et c'est regrettable, entre rester chez vous, sauver des vies, rester chez vous, et puis d'un autre côté, aller travailler. Voilà. C'était pratiquement... Ça a été très flagrant dans le secteur du bâtiment, avec des propos de Madame Pénicaud qui sont une honte absolue et qui ont été vécus par les salariés du bâtiment et par aussi les entrepreneurs du bâtiment comme un mépris de classe, disons-le, total à l'encontre de ces millions de personnes. Le bâtiment, c'est une filière extrêmement importante. Oui, tous les chantiers qui ne sont pas nécessaires pour lutter contre le Covid-19 doivent être arrêtés. Et toutes les activités économiques qui ne sont pas essentielles pour lutter contre l'épidémie doivent être annulées. Aujourd'hui, il y a 40% de gens qui sont au télétravail, 45% qui sont au travail, 15% qui sont au chômage partiel. Les 45% qui sont au travail ne sont pas tous, loin s'en faut, dans des secteurs essentiels. Et donc, il faut aller plus loin. Confiner toutes les activités non essentielles et arrêter les polémiques méprisantes à l'encontre de certaines professions, je pense notamment au secteur du bâtiment, mais ce n'est pas les seuls. Alors la loi d'urgence votée au Parlement concerne aussi les élections municipales. Les dispositions retenues avec un report en juin du second tour, du dépôt des listes et de l'installation des majorités élues au premier tour sont-elles satisfaisantes selon vous? Globalement, oui. Globalement, oui. Nous avions... ça peut toujours paraître un petit peu indécent de parler élection quand on est dans une situation d'urgence sanitaire comme nous le sommes en ce moment. Mais bon, il faut faire face à toutes les situations. Nous étions attachés que dans les 60% de communes en France, sur les 35 000, où le vote a tranché le sujet démocratique au premier tour, que ce soit confirmé et que ces villes
même si l'installation des maires et des exécutifs municipaux est retardée et se fera à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, les résultats de ces conseils municipaux élus dès le premier tour doivent être confirmés. C'est 60% des communes. Et la loi le fait. Et c'était pour nous quelque chose d'important. Après le deuxième tour, écoutez, le deuxième tour, on verra. Soit on peut le faire avant la fin juin et on peut considérer qu'on fait les deuxièmes tours sur la base des résultats du premier, du 15 mars dernier. Soit ça dure, l'épidémie dure, on ne peut pas les faire avant le 30 juin et auquel cas on sera dans un écart de temps beaucoup trop long avec la période estivale par-dessus pour les faire sur la base des résultats du 15 mars et il faudra refaire pour ces communes-là, uniquement pour ces communes-là qui n'ont pas été élues au premier tour, de nouvelles élections plus tard. Alors, pour terminer, l'épidémie mondiale du coronavirus a un impact immense sur nos pratiques et nos modèles économiques, sociaux, mais aussi démocratiques. Cette crise peut-elle servir à les améliorer à terme ? Il serait impensable pour nous. Il y a beaucoup d'éléments dans cette crise que nous avons, dont nous étions conscients. Le fait de délocaliser à tout prix les activités économiques, notamment sur des produits économiques qui sont liés à la souveraineté de notre pays. Et on a touché du doigt la question du médicament, mais c'est valable de beaucoup d'autres secteurs économiques. Bien sûr que la mondialisation libérale à tout prix pour aller chercher des coûts de main-d'œuvre les plus bas, des coûts de matières premières les plus bas, pour toujours peser à la baisse sur le coût du travail dans la production des biens et des marchandises est quelque chose qui ne pourra pas tenir et qui atteint ses limites. Donc c'est une crise qui révèle à la fois l'impérieuse nécessité d'avoir des secteurs publics forts et peut-être étendus à d'autres activités économiques que celles couvertes aujourd'hui par le secteur public, qu'il faut revoir les questions de la mondialisation libérale et de la financiarisation à outrance. Donc, bien sûr, ça devrait interroger les modèles. Et c'est, d'une certaine manière, une faillite des modèles économiques. Mais il faudra être vigilant, parce qu'on a dit un peu la même chose après la crise des subprimes en 2008, que l'explosion d'une bulle financière dans un pays pour lier à un problème économique d'un pays qui était la crise des crédits immobiliers totalement extravagants aux États-Unis pour financer l'accès au logement des Américains a eu une conséquence mondiale dont on se souvient encore, c'était en 2008. Et on avait dit plus jamais ça, plus jamais la financiarisation n'intercommande, plus jamais des bulles spéculatives. Et puis 12 ans après, on est reparti de plus belle. Et d'ailleurs, avant la crise sanitaire, on entendait un certain nombre d'économistes dire qu'on allait au-devant d'une nouvelle crise financière. Donc ne faisons pas avec cette crise sanitaire, qui est beaucoup plus catastrophique sur le plan des conséquences humaines que la crise financière, notamment par la mort de milliers de personnes dans le monde, ne faisons pas comme en 2008, c'est-à-dire passer la vague du tsunami, repartir comme si de rien n'était. Donc nous serons là, présents, les députés communistes, le mouvement social, le mouvement syndical, pour dire et pour montrer des voies, comme il y a beaucoup d'autres mobilisations et d'autres chercheurs universitaires, mouvements associatifs et syndicaux qui disent qu'il faut relocaliser, qu'il faut desserrer l'emprise de la finance sur le monde économique, qu'il faut mutualiser les biens et la production, qu'il faut plus de place et de moyens à des secteurs publics qui garantissent la stabilité. Mais voilà, ce sera un combat. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a beau dire le jour d'après ne pourra pas ressembler au jour d'avant, attention qu'il n'en tire pas la conclusion que le jour d'après doit ressembler à avant-hier.
Oui, et puis le risque de voir l'épidémie instrumentalisée par ceux qui veulent toujours plus s'accaparer les richesses et le pouvoir politique. Oui, et puis ça peut être aussi, bon, toutes les hypothèses sont envisageables, hein, ça peut être aussi un formidable moyen pour imposer une cure d'austérité sans précédent au pays. Enfin bon, donc il n'y a pas, y a pas d'évidence que les conclusions qui seront tirées de cette crise soient des conclusions qui aillent vers plus de biens communs, plus de services publics. Moins de financiarisation de l'économie, c'est pas, ce sera pas naturel. Voilà. Donc ce sera une grande controverse, je l'espère la plus productive possible en termes d'idées et de manières de faire différentes, mais ce sera une controverse et il faudra l'alimenter. Et profitons-en pour lire et réfléchir pendant cette période pour être bien armé intellectuellement pour faire face dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Stéphane Peu. Donc vous étiez en direct sur l'Humanité qui informe tous les jours sur l'actualité du pays, du monde et sur l'épidémie du coronavirus. Merci Monsieur le député, à très bientôt pour un nouveau live. Au revoir. Merci.